Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On devait saboter rapidement, on va dire, la chaudière, donc je vais essayer de m'en charger tout de suite, comme ça, ça va être fait. Attendez. Je pense qu'on le tue, non? C'est mieux, non? Franchement. Je pense que ça va vous faire plaisir. Allez, on est passé en mode furtif. Mais Bodhi, arrête! Je change le chapeau. Pourquoi j'arrive pas à sauter? Ouais, je suis bloqué. Encore! Mais j'ai encore déconné. Attends. Je pense que... on a besoin de passer là-haut? Ouais, c'est là-haut de toute façon, dans la pièce. Ok. Par contre, ici, je ne peux pas monter. Parce qu'il y avait un petit souci. Le mieux, franchement, je pense, pour faire des assauts, c'est de l'attaquer par là. Sauf que j'avais pas qu'il y en avait deux. Mais voilà, ça y est, c'est réglé. Vous avez vu? Un peu de furtivité, ça fait pas de mal. C'est moi le premier à le dire et c'est moi le premier à pas le respecter. Mais non. Donc je pense que là, tout va t'exploser. Ah, il en reste encore deux? Ok, d'accord. En fait, on monte au niveau des niveaux, je pense. D'accord, je comprends un tout petit peu mieux pourquoi, en fait, il voulait absolument... nous mettre un escalier ici, parce que j'avais pas forcément compris, je me suis dit, mais non, mais c'est pas intéressant, ça. Et bah, justement, ils se sont pas trompés. Mais je pense qu'on va pas être tout seul, hein. Il y aura des gardes. Je vais même scanner la zone, tu vois, regarde. Oh, j'avais raison. L'intrus, il t'a un petit peu neutralisé. Donc, double assassinat, ça vous dit ou pas? Un double. Assassinat. Ça va être un peu plus délicat. Franchement, c'est bien d'avoir ce pouvoir d'entourdir les gens. Étourdir, pardon, les gens. C'est plutôt cool. Donc là, on a une pièce pour se cacher. Je trouve que maintenant, Assassin, on peut jouer de deux façons. On peut jouer un petit peu en mode vraiment furtif ou en bourrin. C'est vous qui voyez, en fait, selon votre humeur, en fait. C'est pas négligeable. Donc je pense qu'on va encore tomber sur deux gardes, hein, minimum, même pas. On va saboter de l'autre côté. Donc, je ne crois pas que j'ai la possibilité d'aller là-bas, mais je vais expérimenter la chose. Voilà, je vais passer plutôt par là, voyez. Je vais saboter, donc il y a un ascenseur. Hein. Comme par hasard, je me tape le dernier truc qui va me faire tomber, à mon avis. Ah non, c'est pas un ascenseur. On aurait dit c'est un monte-charge, en fait. Là, il nous manque quoi encore? Un dernier qui se trouve tout en haut. D'accord. Attends. Est-ce que je peux monter, en fait, avec mon harnais ou pas? Non, je peux pas. Je peux pas. Je suis obligé de passer en mode normal. Je pense que le crochet, en fait, on peut que l'utiliser peut-être sur des distances un petit peu différentes. Attends. Je dis ça, mais je fais moi-même des bêtises. Oh non, Bodhi, t'es encore déconné. Qu'est-ce que tu vas encore nous faire? Si je passe par là, je peux monter. Oh, deux gardes. Deux au prix d'un. En fait, j'en avais plus. Attends, je vais utiliser coup de couteau. Non, ça sert à rien. Hey, franchement, j'adore me battre. C'est trop marrant. Je te jure, j'ai même plus envie d'abandonner le combat. J'adore trop me bagarrer dans ce jeu-là. Allez, merci. Alors, dernier sabotage. Je suis sûr qu'il y a encore un petit malin. Attends. Pour ceux qui m'ont demandé, mais Bodhi, est-ce que tu peux le tuer? Oui, regarde. Voilà. Bon, par contre, faut que j'apprenne à viser dans les têtes. Allez, chacun pour soi. Ah, fuir le secteur. On a plusieurs fuites. Merde. Bon, par contre, faut que je me dépêche. D'accord. Franchement, j'ai pris la première sortie, celle qui était le plus rapide. Sans me poser de questions. Bien joué, mon garçon. Quel... Darth, Charles Darwin, enchanté de faire votre connaissance. Jacob Fry, tout le plaisir est pour moi. Pendant que vous semiez le chaos, j'ai trouvé ceci. Il y est écrit qu'un échantillon de chaque lot est envoyé à l'asile de Lambeth. Ah, je me demande si c'est l'heure des visites. Pas de précipitation, monsieur Fry. Le personnel est fort nombreux à Lambeth. Il serait regrettable d'attirer l'attention. Mais alors, où serait le plaisir?
Tout problème ne peut être résolu à grand renfort d'explosion. Parfois, la discrétion est plus appropriée. Il se fait tard. Je vous retrouverai à l'asile pour y poursuivre nos investigations. Avec plaisir. Quand tu veux. Oh, Bodhi respecte jamais les trucs, c'est pas bien. Ah, donc c'est Charles Darwin celui-là. Hein. J'avais même pas reconnu en fait. Bah, vu que j'ai jamais vu à quoi ressembler. Attends, je vais essayer de faire un truc. Inventaire, peut-être que je pourrais perfectionner un peu mes armes. Donc on a débloqué pas mal de choses. Donc est-ce que je peux aller au-delà? Non, malheureusement, on n'a pas encore tout débloqué. Arme à feu, bon, bah ça c'est pas. Quoique, quand même, je prendrai ça plus tard. Hein. Alors, je peux forger celle-là, mais elle n'a pas vraiment de puissance. Non. Donc je vois qu'on a 10 niveaux en fait, peut-être. Donc la cape me permet de me faire moins détecter. Ça c'est pour l'augmentation de ma vision d'aigle. Bah ouais, parce que la fille en fait, je l'ai bien équipée en fait. Donc ça coûte combien par contre celle-là? Elle est trop chère. Par contre, il y a un truc qui est un peu abusé. Ça c'est mon avis. Si le mec a vraiment les moyens de se payer ce qu'il veut, sincèrement, je vais vous tuer ce que je vais vous dire. Il se prend un ou deux ou trois packs comme ça à 50 balles, là, je le ferai jamais. Hein. Parce que franchement, on n'est pas non plus dur, on va pas payer 70€ un jeu plus tous les extensions. Mais le mec, il prend ça. Mais je vous assure, j'ai regardé par curiosité un petit peu hors vidéo qu'est-ce qu'on peut faire. On n'a même plus besoin de jouer, en fait. On prend tout et ça y en a tout. Je fais, ah mais c'est abusé quand même. C'est abusé, ce truc-là. C'est que les personnes, en fait, ont la possibilité après de, pas tricher, mais d'être extrêmement avantagées. J'ai fait, mais laisse tomber le truc. Alors, amélioration de la bande. Parce que même pour les pots, tout ça, je pourrais même plus tard, par exemple, en prendre, quoi. C'est ça le pire. Attendez, je vais juste faire un truc. Fabrication. Non, c'est pas fabrication que je voulais faire. Compétence. Voilà, c'est justement ça. J'en ai un. Ouais, c'est nul. Un. Donc là, c'est combien? C'est 2 points. Je vais essayer d'améliorer quand même les premières bases, hein, tant qu'à faire. Hein, vous voyez? Ça, je l'avais pas fait. Je prends un petit peu de tout, hein. Je vais améliorer tous les cases, hein. Je vais même pas m'embêter sincèrement. Et plus tard après, je pense que dès qu'on aura beaucoup plus de points de compétence, ça va le faire. Je vais juste tester un dernier truc. Magasin en ligne. Je vais voir les ingrédients parce que moi j'ai 500 points là, 500 machin là par défaut. Donc vous voyez, j'ai pas assez. Hein. Je peux juste acheter de la soie et je peux acheter, comment ça s'appelle, la potion. Si je veux plus, bah je paye plus. C'est abusé quand même ces trucs là. Là j'ai de la peau. Bah tiens, on va justement prendre de la peau et du métal. On va en prendre un. Pack d'ingrédients de fabrication courant acheté. Et là, on prend donc... Ah, par contre, ça se limite... Oh, les... oh non. Ah si, ça va, j'ai assez de peau, j'ai assez de tout. J'avais peur, en fait. Et là, je reprends encore une fois. Tant pis. J'ai utilisé tous mes points. Donc, j'ai 700 peaux. On va dire, mais Bodhi, pourquoi t'as fait ça? Bah, pour aller un peu plus vite, finalement. Et attends, je vais améliorer les bandes dans ce cas-là. Parce que c'était ça qui était prévu. Comme ça, on aura au moins une échoppe qui nous rapporte en moins de l'argent. Par contre, ça me coûte assez cher. Voilà, l'échoppe elle est là, ça nous rapporte quoi, ça par contre j'ai pas assez, je vais garder les pots, rien que pour ça je pense, comme ça je pense qu'on aura vraiment de tout, ce qui manque c'est l'argent maintenant, il ne manque que 10 000, après j'ai la possibilité d'avoir quoi, marché noir, j'aurais plus d'argent, ça réduit, ouais, parce qu'il y a des trucs avec le métal, il y a des trucs avec la soie, ça c'est quoi ça? D'accord, on aura plus de tonneaux suspendus dans la ville. Ça m'intéresse pas plus que ça. Ça, c'était quoi, ça? Acheter des voitures. Ça vous intéresse. La dernière fois, ça coûte super cher, mais comme ça, on va en avoir. Il y aura plus de voitures maintenant. Et après, les prochains que j'améliore, c'est ça. Ça va être niveau 7, mais bon. Vous voyez bien, c'est l'argent qui manque, quoi. Combien ça coûte, on va dire, d'avoir de l'argent, par exemple? Magasin en ligne, j'aurais dû peut-être prendre de l'argent. Acheter de l'argent dans le jeu. Ah, tu vois, je suis trop con, j'aurais dû me prendre ça, en fait, finalement. Bon, bah, c'est pas grave, hein. J'ai gaspillé, on va dire, un peu un truc inutilement. Parce que j'aurais pu peut-être acheter ça, en fait, en crédit, quoi. Parce que là, on aurait eu 10 000 et j'aurais pu améliorer un magasin. Bon, bref, hein, de toute façon, dites-vous bien que c'est du bonus, hein. C'était du gratuit, donc on s'embête pas, quoi. Donc, la prochaine mission, elle est là-bas. Alors, observons. Où est-ce que je me situe déjà? Est-ce que je peux synchroniser? Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, je vais prendre tous les points de contrôle. Tous les points de vue, plutôt. Il est juste à côté. Donc maintenant, je m'aperçois, c'est qu'on a un peu plus de chariots comme ça.
D'accord, c'est ça en fait que j'étais bloqué, hein. Je regarde, hein, par curiosité, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Amélioration de bande. Pour moi, c'est ça, hein. Ouais, tu vois, c'est ça. Acheter des voitures. Ouais, mais c'est pas des voitures, ça. Ah, ils sont dangereux dans cette ville. Je te jure, c'est des fous. Regarde, il a tué quelqu'un et il s'est cassé comme ça. Il est pas sérieux. Il a tué quelqu'un et il est parti comme un voleur après. Donc, c'est juste à côté. Donc, c'est pour ça que je me suis pas permis de prendre quoi que ce soit. Donc maintenant on a un magasin qui va nous rapporter un peu d'argent. Par contre on a encore un coffre-fort qui doit être disponible quelque part dans la ville, mais je sais pas où. Ah, dans le train, dans le train, dans le train. Dans le train. Faut que j'aille prendre le train après. Attention, vous rentrez dans une zone. Ah bah tu vois, c'est encore la libération d'enfants. Bah tiens, bah tant qu'à faire, on va libérer cette zone aussi, hein. Mais ça c'est dommage que c'est partout pareil en fait, hein. C'est très 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 répétitif. Moi j'aurais fait autre chose, par exemple sauver une imprimerie. Pour éviter la propagande, par exemple, ou ce genre de truc, ou je sais pas, par exemple, un événement un peu stupide, aider quelqu'un à coucher dans la rue, etc., où tu dois vite l'emmener à l'hôpital. Non, j'aurais fait des trucs comme ça, selon les quartiers, bien évidemment. Chaque quartier, j'aurais fait vraiment un truc complètement différent. Je pense que j'aurais mis une centaine de possibilités, comme ça, le joueur, en fait, ne s'embête pas. Par exemple, tu as aussi un truc où tu dois tuer un templier, mais il doit vite s'enfuir, en fait, et t'as un temps donné pour le poursuivre. Et vu qu'il est habile... Genre c'est un templier athlétique et ce qui va se passer c'est qu'il va vite s'enfuir et toi tu dois vite arriver à son niveau quoi pour pouvoir le neutraliser. Non j'aurais fait vraiment pas mal de choses. Hein. Ça a l'air plus facile que les autres ça. C'est quel niveau ça? La cloche je la vois pas. En plus, on a un coffre en or ici, ça tombe bien. Attendez, je vais juste rapidement lui faire du mal. Non, parce que je trouve que j'aurais pu ajouter pas mal de choses selon les quartiers. C'est mon point de vue après. Allez, c'est sa beauté. Je pense qu'il n'y en a qu'une ou pas? Il n'y en a qu'une. En fait, c'est eux qui me détectent. Ah, elle contre-mette là. Attends. Le contre-mette, faut le tuer plus rapidement. Je t'ai déjà tué? Ah, franchement, là, je suis bien protégé. Non, parce que franchement, je pense que selon les quartiers, selon les endroits, il y aurait des quêtes complètement différentes. Par exemple, d'autres bandes où tu vois, par exemple, il y a des magasins que tu pouvais acheter dans certains quartiers. Par exemple, ça, ça aurait pu être sympa. Ou après, tu peux tout simplement faire du trafic de contrebande ou je sais pas trop quoi, ou un truc d'assassin, quoi. Il y a énormément de possibilités, sincèrement. Si je me posais vraiment une nuit entière à réfléchir sur tout ce que je peux faire, parce que là, je vous le dis à chaud, donc du coup, je peux dire n'importe quoi. Mais sincèrement, si j'aurais été à chaud, pas à chaud, si j'aurais vraiment étudié... Bah, tout ce que je pourrais mettre dans cette carte-là, hein, sincèrement. Tout ce que je pourrais, par exemple, placer ici, dans ce quartier, dans celui-là, mais vraiment en profondeur, à tête de reposer, avec toute l'analyse nécessaire du jeu, j'aurais fait vraiment quelque chose de cool, quoi. Après, je sais que ça demande des moyens techniques assez impressionnants, mais je m'aurais quand même aussi fié à la réalité du développement, mais j'aurais vraiment apporté quelque chose de vraiment cool au niveau des idées. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent selon les quartiers, c'est exactement la même chose, on voit toujours les mêmes missions. Mais j'aurais vraiment tout changé. Par exemple, ici, t'as quelque chose de complètement différent. Là, c'est pareil. Là, c'est autre chose, etc., etc. Que le joueur, en fait, n'a pas cette sensation de tout le temps faire la même chose. Que là, malheureusement, c'est ce qu'il a un petit peu, quoi. Attendez, je vais voir rapidement s'il n'y a pas encore une carte ou un truc à neutraliser quelque part. Déjà, je vais prendre le coffre. Après, je n'ai pas à me plaindre d'assassin, hein, loin de là. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Bien au contraire, c'est que je suis dessus, hein, donc je me plains pas. Mais ça aurait pu être bien d'avoir ce genre de nouveauté. Qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Ah, un point en fer. Après, c'est peut-être mon avis qui est complètement erroné, mais ça m'étonnerait, parce que j'ai quand même pas mal d'expérience maintenant dans Assassin. Et sincèrement, j'ai pu voir toutes les petites évolutions qui ont été ajoutées et enlevées. Et il y a beaucoup de choses encore à faire, quoi, je pense. Donc là, c'est libéré. Et nous, on se retrouve sincèrement... pour la suite. Voilà, les enfants, ils sont contents.
Regarde-moi ça, on les a amenés dehors. Je vous dis à tout à l'heure, les amis.